Gros nouvelle, mon ami, bienvenue. C'est sous taxe 609 ou connecté n'importe côté où y est. Depuis où c'est haïtien, vous devez compter tout ça qui a passé en Haïti ou à l'étranger. Pas oublier abonner, commenter, liker, partager vidéo pour travail là capable avancer. Zami Pau Foucault. Martine Moïse déclaré dans New York Times dans prochaine élection qui vient là, la poser candidature pour qui ça pour élection. Hey, frères et sœurs, est-ce que Martine n'a pas dansé comme ça? Et nous connaissons dans la société par nous, ils ont toujours montré nous des décisions, des postes que femmes pas qu'à occuper, surtout dans le dossier politique. En pile, on a posé tête aux questions. Pour qui ça, Martine fait déclaration ça? Comment est ta santé liée? À qui courage pour dire un bagay comme ça? Comme si proverbe créole l'a dit, Jean Chat marché, c'est pas comme ça le Québérat. C'est sous parole ça m'a dit ou bienvenue. Pendant m'a invité ou rale ti chèse ba ou chita confortablement, Foucault zami et faut pas rentrer la caille ou pral ba tout tripotaï sa yo nan bon ti mamite. Bonjour, bonsoir tout le monde. Comment nous y? Encore une autre fois m'a dit merci. Merci parce qu'on fait une confiance pour nous informer ou et merci pour fidélité ou ak patience ou. Merci parce qu'on like, merci parce qu'on abonne et merci parce qu'on partage vidéo, ça fait un plaisir en pile en pile. Encore une autre fois, si vous faites tomber sous channel là, pas hésiter à activer cloche notification pour là pour pas rater aucune vidéo. Ses amis Pau Foucault. Mesdames, mademoiselles et messieurs, nouvelle ça tombé tant qu'on bombe dans le pays d'Haïti. Martine Moïse annonçait candidature pour prochaine élection cap vini là. Et pour qui ça l'annonçait candidature s'il vous plaît pour président? Est-ce que la fougue pour le remplacer Jovenel Moïse? Hey, frères et sœurs, bagay au miel. Mais juste avant nous entrer dans le dossier ça, comment est ta santé madame nan yé? Comment est ta santé Martine yé nan moment? Ou besoin comme ça. Eh bien, comme nous te ouel, Martine, bras droit li, te vini, li maré, donc, gilet pas balle sous li, elle te vini participer, elle te vini rendre un dernier hommage, pour me bien dire, ensemble avec Maril, Jovenel Moïse, nèg que le passé 25 ans, ensemble avec li. Donc, mais comment bras Martine? Eh bien, ça qui passait, ça nèg yo te gen nan men yo, le otal attaqué président, c'est pas petit bagay qui piti. Et Martine déclare, c'est lui-même qui premier recevoir balle. Et balle te prend, frères et sœurs, c'est pas petit bagay petit, parce que si bras arrive écrasé dans état pareil, et Martine explique, nan bras, gen seulement 2 doigts qui bougent là-dedans. Ça veut dire tout l'autre yo, li pas ka fanyen ensemble avec. Est-ce que la perdit bras? Mais li sous deuxième opération tout, et ceci, semblait docteur yo pral prend 9 dans l'autre partie dans col dans pied pour mettre dans bras pour permettre que le capable bouger parce que Jean que balle la tête traversé c'est pas petit bagay petit donc nous capable comprendre c'est pas petit plomb petit monsieur te débarqué caille président mon cher m'bakache dou te gen bagay nan mais tout bon vrai et ceci les que dans rapport Dimitrial elle tande président balle li tande cap chanter pendant la parole président dans téléphone c'est pas petit zam petit qui t'a tiré et ceci Martine expliquait pendant que on t'a tiré sous caille là bribal yo te sorti pour faire au soude et ceci les ou frappé dans mian tremblé fenêtre yo tremblé donc c'est pas petit causé petit qui t'a géré nan pèlerin côté président arrêté. Eh bien, mesdames, mademoiselles et messieurs, Martine annonçait candidature. Libral président. Mais, nous connaissons pas Borisite. Il y a des décisions. Il a toujours fait nous comprendre. Femme qui bout cabaret boal. Il y a des koto pop ka rentre. Et, déclaration Martine Moïse, nan enterrement président Jovenel, c'est pas petit bagay piti. Parce que il te déclaré, assassin yo là. Yo ap gade nous. Yo ap fait nous peur. Mais nous devons garder au non, j'ai pour nous dire, c'est assez. Donc, Martine Moïse déclare le pral poser candidat pour président parce que Jovenel Moïse Maril, que l'il te passé 25 ans ensemble avec lui, te gon rêve Li te gagné pour Haïti, faut que rêve ça accompli. Donc tout concitoyen se mette main ensemble avec. Ende déjà ouais, te gon campagne qui t'a fait pour Martine pour vin yo touyer président, mais yo prend Martine Moïse. Donc en ce sens mesdames, mademoiselles et messieurs, baga la vie paraît un petit gens compliqué, bien que c'est pas pour première fois que yon femme entre dans politique dans pays d'Haïti et nous songe Erta Pascal Touyo te présidente pays d'Haïti mais c'était dans un gouvernement de transition. Donc, mesdames, mademoiselles et messieurs, kounya la, Martine Moïse, nan moment ça, qui vient annoncer candidatil, en connaît des fois les moun perdi maril ou bien perdi yon proche li, comment l'on connaît, comment que l'on fragile, moun sa kon presque perdi tête li. Eh, nous, Martine Moïse, même la toute force li, la toute nom ni, la toute l'esprit li sou li l'papè don fey, la toute chromosome ni net. La parler. Donc, en ce sens, Martine déclare le pral poser candidat pour président. Est-ce que le pas bon? Là, c'est question qu'a posé. Et nous connaissons politique dans le pays d'Haïti, chargé ti cause là-dedans, parce que monsieur Sao kap bataille là, est-ce que bay Martine passé? Et déjà, nous, moun nan note déjà campé, nèg dans l'ouest, en pris souple, red kotoye ya, pas traversé parce que pap kapile là, après nous fin touye 5e président qui sorti dans nord. Donc, bagay yo vin paraître compliqué et vraiment difficile. Mais, mesdames, mademoiselles et messieurs, dans prophétie ou gant te bay Jean-Claude Duvalier, al te fait le comprendre, après yo fin touye président, eh bien, gon moun ki pral monte kap président, kap soti nan ras Luzius Salomon jeune. Est-ce que Martine a sorti dans ligne ça? Est-ce que candidat kap en face Martine yo a sorti dans ligne famille ça et moun sa qui pral vinyan qui sal pral fait moun sa la vini la gen pour faire fierté pays d'Haïti au niveau national et international. Richesse pays d'Haïti a tourné, n'a vinn prospérer et n'a vivre en paix, pas de bataille, pas de manifestation encore. Est-ce que c'est pas Jésus qui a tout tourné dans dernier moment là? C'est la grande question. Mais ça qui fait tout le monde saisi. Et dans moment ça, pas oublier Martine Moïse, c'est toujours qu'on a président. Quand même, li connaît à qui est-ce que président a bataille. Li connaît qui est-ce qui te bon ami président. Li connaît qui est-ce qui te proche président, qui est-ce qui te veulent bataille ensemble avec pour changer situation. Et ceci nous capable moun qui te pi proche li a, qui c'est Martine, c'est li qui arrive victime. Donc, en ce sens, moun capable di, Martine connaît moun qui pour payer ça qui paraît mes pays. Annoncer candidatil, c'est pas un message fait. Parce que Martine qui sorti vivant, c'est son gros bagay, parce que nous même n'a pas un pile bagay dans politique dans pays d'Haïti. Mais moun qui te complote pour touye président tout, vin ouais Martine comme un gros menace. Parce que, dans le moment ça, là, Martine vient annoncer candidat pour président. Oh, nous tout, yé président, c'est pour qui ça? C'est pour nous prendre place là, là. Est-ce que n'a pas arrivé prendre malgré Jovenel Mouri? Et ceci, malgré Jovenel Mouri, à tout reste mandat, y'a pas qu'à faire, y'a pas qu'à prendre, Jovenel style à diriger toujours. Parce que pas gen qui ka entrer dans le palais national. Et nous, monsieur qui te signé accord Montana, yo proposé yon conseil national de transition et conseil national ça a composé de 14 moun kap soti dans différents partis politiques et non seulement ça tout, yo a bien pour rôle pour choisir yon président ak yon premier ministre pour yon mette diriger qui sa souple gouvernement de transition kap dire pendant 2 ans. Et Martine lui même commence à chauffer là, il commence à préparer pour le poser candidat pour le vin président pays d'Haïti. En tout cas, bagay la mangomé. Comme étant donné, Martine Moïse déclarait que président Jovenel Moïse te gagné un rêve. Qui rêve président Jovenel Moïse te gagné pour pays d'Haïti que Martine lui même pral fin accompli. En temps de déclaration, président Jovenel Moïse avant que le t'ait assassiné, comme ça, nous capables de comprendre qui rêve que le te gagné pour Haïti et ça Martine lui-même pral continuer à accomplir. Ou dans le secteur économique, ou dans le secteur politique, culturel, social, moi te dis aujourd'hui, faut nous comprendre, nous sommes membres équipage bateau et peuple c'est passagers qui sous bateau. Ça veut dire faut nous commencer virer coubla parce que si nous continuons à aller jeunes nous pour aller à nous prenons qu'on est un pays qui pire mal, un monde, je dirais, qui pire mal, après l'affaire pandémie coronavirus là. Parce que économie pays à genoux. Et pourtant, nous voyons ce gros effort qui a fait jusqu'à présent entre gros pays. Nous voyons qui gros annonce qui fait pour pays européens. Nous voyons annonce qui fait par exemple pour les États-Unis et d'autres pays. Mais moins prend très au sérieux annonce qui fait tout dans les affaires infrastructure pour pays à revenus faibles. Et je crois non tête à tête avec le président Kenya, c'était un sujet que nous avons parlé de lui pour nous si ensemble nous devons mettre sous pied un forum qui est le One Voice. Côté pour nous tout à parler d'une seule voix, ça veut dire pays qui plus pauvres sur la terre, pays à faible moyen, nous tous nous devons parler un seul gens qui j'en la pied, nous débat modèle que nous-mêmes en Haïti nous faisons avec le pays Taïwan. Par exemple, Taïwan, dans les 10 dernières années, pas de jambes ont gagné des prêts que ont fait avec le pays d'Haïti. Mais entre 2017 et 2021, nous gagnons environ 250 millions de dollars de prêts et de dons que Taïwan fait avec nous. Et pourtant, c'est tout ça que nous voulons passer. Ça veut dire que nous avons besoin de réseau électrique. Cobla, c'est ça le fait. Nous avons besoin d'un système qui marche avec le soleil pour te pomper de l'eau. C'est ça l'argent fait. Nous avons besoin de centre semencier. Ça veut dire côté, nous avons 2000 tonnes par année de production. Aujourd'hui, nous avons 20 000 tonnes. Et c'est ça l'argent fait. Nous construisons un centre semencier dans le sud, dans le nord-est, dans la Tibonite. Et dernier, là, nous construisons, disons avant-dernier, nous construisons l'hôpital dans le nord-ouest, qui sont gros l'hôpital de référence à travers Fatma. Et maintenant, nous dérapons avec construction lycée d'excellence qui a coûté 28 millions de dollars. Côté dans la campagne, moi te promettre, moi te dis que Timoun, qui a fait moins 8 l'école, moins 9 l'école, qui n'a pas de possibilité, qui finit de faire 6e année, il n'y a pas de code cabrit qui n'a pas. Et puis, parce qu'il n'y a pas de code, parents n'ont pas de code pour voir l'école, ils disparaissent dans la nature. Lycée d'excellence, ça a commencé à construire. Là, bien pour le recevoir, peut-être c'est pas moi qui a pour inaugurer, c'est pour le prochain président. Là, bien pour le recevoir, 750 timoun, on a pays en général, timoun qui sont plus intelligents, qui ne sont pas moyens. Ça veut dire, ça nous réalise en Haïti, c'est un modèle que lié pour tout l'autre pays que nous avons parlé, là nous disons One Voice, c'est tout pays qui a bien pour mettre ensemble, pour nous parler d'une seule voix, pour nous avoir aide ça. Moi qui annoncé en matière d'infrastructure, et bien content tout, moi t'étendais depuis que le président des États-Unis monte en fonction, il entre en fonction, il parle du président Biden, qui te parlé du racisme systémique. Et nous-mêmes, nous prenons parole, ça très important, parce que là, nous avons regardé 25 pays qui sont plus pauvres sur la terre. Malheureusement, ça me va le dire, là, il doit pas arranger certains mondes, mais c'est ça lié. Tous ces pays noirs, les 25 pays les plus pauvres de la terre. Ça veut dire Yémen, qui peut être un pays arabe, mais tout le reste, c'est des pays qui sont en Afrique, et c'est Haïti qui, dans les Caraïbes, qui n'a mis tant pays. C'est pour me dire que aujourd'hui, un moment arrivé, pour nous dire la vérité en cours, pour nous garder l'autre dans les yeux, c'est ça que je dis dans le forum, dans tout, pour que la vérité nous dise et nous faisons ensemble. Pour nous apprendre que pour nous pas nous ne pas voyer tout sur l'autre, ça veut dire pays pauvre pour ne pas dire c'est pays riche qui la cause, pays riche tout pour dire que c'est pays pauvre qui gaspille comme là, mais on fait on l'autre gens. Jean nous fait modèle Taïwan non, côté pays riche là où dit où il y a tant l'argent disposé pour pays pauvre, et mais vina avec entreprise pauvre. Pays pauvre là même identifier ça rien pour faire. Par exemple Haïti. Pays d'Haïti nous besoin 60 000 salles de classe, 4 000 km route, réseau électrique, barrage irrigation, l'hôpital, sécurité, c'est ça. Nous-mêmes, nous dit qui problème nous avons. Et puis à ce moment-là, nous baillons fiche de problèmes. Et l'autre pays qui vient avec Kobio, il vient pour venir avec la société dans le pays. Et l'obligatoire, même si ça fait avec Taïwan, qui vient faire réseau électrique là, il y a 23 autres entreprises haïtiennes qui bénéficient de contrats. Non, l'argent Taïwan. Ça veut dire que Taïwan, contrat fait pour 150 millions, disons 157 millions. Yo vin travailler yo même, compagnie taïwanaise, mais gon bonne lot entreprise haïtienne qui yo même bénéficié tout, qui a travaillé dans l'argent ça. Ça, nous pensons, c'est modèle ça aujourd'hui. nous là pour nous prioriser, parce que c'est eux-mêmes qui sont bons pour que le peuple dans le pays pauvre, le peuple dans le pays sous-développé, soit capable de joindre, soit capable de souffle, nous allons vent pour ne pas continuer à faire même genre. Par exemple, le pays d'Haïti, là nous prenons de 1990 à 2021 que nous sommes là, le pays a reçu plus de 20 milliards $. Côté Kobla, qui ça le fait? Personne ne va. Et bien, je vous dis, pour un moment arrivé, pour ne pas dire qui est-ce qui la cause. Ce n'est pas Haïti qui recevra là qui cause, ni pays qui baille là qui cause. Haïti, modèle là, c'est lui-même pour nous changer. C'est-à-dire, modèle là, pas bon. Et c'est pour ça, c'est clair, net pour tout le monde, expérience que nous-mêmes, nous sommes faire encore, nous fait actuellement avec Taïwan, c'est clair. Il montre nous, comme la sortie dans le pays, les vignes en Haïti, il fait exactement ça, dirigeants haïtiens, ils veulent faire. Pas de bataille. Nous te dit, réseau électrique construit. Et dans tout le pays, hein, dans toute la petite ville, tout le monde dans le pays, ouais, qui côté poteau électrique a atterri, des côtés loin. Mais c'est même comme ça. C'est pour tout réseau qui a construit, c'est ton prêt qui t'est fait, et c'était pour ça qu'il était fait. Nous avons l'autre compagnie, c'est pas compagnie taïwanaise qui vient construire. C'est même gens tout, dans les affaires pompage solaire là, nous avons presque 12,5 millions à 15, disons presque 15 millions de dollars. C'est une entreprise taïwanaise avec d'autres Haïtiens qui viennent, qui a installé le travail. Voilà ça, nous-mêmes nous avons priorité. Même avec l'ICE d'excellence qu'a construit, nous avons des sous-traitants qui fait avec des entreprises haïtiennes. C'est une entreprise taïwanaise qui a fait. Bilatéral que nous avons avec le président Erdogan, nous avons fait un pile parler ensemble sous un pile domaine, tant que construction, énergie, sécurité. D'ailleurs, nous avons même parlé de premiers contacts qui étaient faits pour nous gagner des bateaux qui étaient produits l'électricité dans le pays. Mais, gens que nous comprenons, nous voyons tout, et la Commission nationale du marché public, le projet a dérivé. Je crois que c'était deux projets qui sont arrivés ensemble, c'était General Electric et lui-même. Il est clair, et moi-même, tout le monde est d'accord, qu'au lieu de nous louer, ça veut dire pour nous à payer en courant et puis bateau, ce n'est pas pour nous le tapier. Nous avons priorisé 60 MW sur Port-au-Prince, 30 MW sur Cap-Haïtien. Disons maintenant 90 MW sur Port-au-Prince et 30 sur Cap-Haïtien. Ça veut dire que 60 MW là qui sont installés déjà. D'ailleurs, nous avons pour nous parler de ça, on l'autre là, mais nous avons tout désordre qui a commencé à partir du 1er juin dans le pays. Et c'est parce que tu as gagné. En fait, l'inauguration centrale Carrefour qui est pour fête 5 juin. Qui peut qu'on fait? Et je pense que la fête, parce que c'est triste pour nous dire, mais en réalité, côté développement, on sait que le monde il fait peur. Et je dis, nous arrivons à un moment, côté fort développement, fait tout le monde content. Même j'ai pays, côté Msout Laden, Turquie, entre 2002 et 2021, il est sorti de 45 000 MW, il passe à 95 000 MW. Et entre 2012 et 2020, c'est un élan. Ça veut dire plus que 70% d'énergie, ça c'est les ça qui ont installé. On fait un petit exercice simple. L'on parlait de 45 000 MW en 2002 et nous parlait de 95 000 MW en 2021. Vous nous comprenez bien. C'est près de 50 000 MW en moins de 20 ans. Et entre 2008 et 2020, entre 2012, je dirais, et 2020, yo, pour un pic, c'est en cours, ils ont fait 40 000 MW en 10 ans. En 8 ans, je dirais. Et puis, ils ont fait peut-être 10 000 MW en 10 ans. 40 000 MW, pour nous-mêmes, capitaine, de me la comprendre bien. On pays, ça veut dire, c'est cerveau, tu qui même dans la tête, même avec nous. C'est dirigeants politiques, même avec nous. Et pourtant, ils prennent décision, ils disent, bon, ok, après résoudre le problème électricité là, dans 8 ans, ils ont construit et ils ont fait marcher 50 000 MW. Moi-même, je dis dans 5 ans, je fais 600 MW, bataille pété. Bataille pété parce que 600 MW, je fais dans 5 ans. Ça veut dire, l'homme dit en 2017, il y a possibilité, nous avons mettre courant 24 sur 24 dans 2 ans, bataille pété, pire. C'est pour m'expliquer nous que aujourd'hui, le moment arrivé pour nous ouvrir les yeux, pour nous regarder l'autre pays, comment ça passe, pour qu'ils soient nous-mêmes, nous obliger que le fait en l'autre gens. Parce que nous sommes haïtiens à vivre en Haïti. Je dis en fond de travail pour nous capables de mettre tête ensemble. Même j'aime dire là avec par exemple le président Erdogan dans les affaires énergie, il y a d'autres modèles que Turquie commence à expérimenter. Dans la ville d'Istanbul par exemple, qui produit 3000 tonnes fatra, même avec Ville-Port-au-Prince, qui produit environ 3500 tonnes. On me dit Port-au-Prince et ses environs, Kafou, Pétionville, Tabac, Cité Soleil et autres, ils produisent 3500 tonnes. Actuellement, entrepreneurs qui gagnent contrat pour produire courant à partir de Fatra, moi j'ai rencontré, ils produisent 80 MW d'électricité avec Fatra. Fatra ou du ménagère dans la ville d'Istanbul. Ça veut dire ville la propre, toute Fatra produit, ils fait courant avec lui. Et pourtant nous-mêmes, nous voyons qui dégâts que Fatra fait ici. Même gens, même entrepreneurs, les produits, mais non tant record, 100 MW solaire pour même zone que je parlais à Istanbul. C'est pour me dire comment il est possible pour un partenariat qui fait entre le pays que les Turquie et Haïti dans les affaires énergie. Je connais le docteur Ivenson Kalix qui a gagné même moment, conseiller me dévouer numéro entrepreneur à Bali et me connais en contact. Pour nous, qui est la bonne manière. Courant nous dit pour le pays à gagner tout le temps pour nous capables de rentrer dans l'énergie renouvelable bio. Tout. L'autre bagarre avec le président Erdogan que nous avons parlé, c'est sous affaire ciment. Nous connaissons depuis mon président en 2017. D'ailleurs, c'est une promesse de campagne que je fait sous place d'Am Gonaïve. Je t'ai dit que faut qu'on usine ciment qui construit dans la zone Atibonite. D'ailleurs, le plus gros mine ciment qui gagne dans le pays, c'est, disons, dans les Caraïbes, là, je m'excuse, c'est dans la Tibonite. C'est Mont-la-Pierre qui a 25 km² de matière première. Malheureusement, toute entreprise qui est entrée, n'a pas arrivé à accepter pour te monter l'usine. En pile contact fait, pendant que je parlais là, nous rencontrons un groupe d'étrangers qui est venu et me connaît que y a travail, d'ailleurs, il y a une nouvelle. Que a tourné avec une quantité de monde, mais pas avec le président Erdogan, nous tout parler de ça tout, parce que Haïti aujourd'hui a consommé 4 millions de tonnes de ciment chaque année, et pourtant tout ciment Haïti a consommé net en général, c'est l'autre bol acheté. Je voulais pour tout le monde comprendre ça clair, nous entendons qu'il y a une usine de ciment en Haïti, non pas qu'il y a une usine de ciment en Haïti. Il y a une usine dans sa charge. Ça veut dire côté, yo mette ciment dans sachet, dans sac, ou bien il y a des moulins. Côté clinker avenue, yo moulin, et puis yo mette dans sachet ici. Ça veut dire, moment arrivé, faut Haïti, nous capable de commencer à réfléchir pour pays à capable de gagner une vraie usine qui produit ciment, qui produit clinker, qui utilise la matière première que nous gagnons pour faire ciment. Même ça, même j'en le fais dans tout l'autre pays sur la terre. Parce qu'on pays pas qu'à besoin de 4 000 tonnes, je dirais, de ciment. 4 millions de tonnes de ciment par année, et dans 4 millions de tonnes, nous faisons 0 tonnes. Je connais que l'autre monsieur qui est venu, même parler toi avec le président Erdogan sur ça, si l'autre groupe ça, Pierre Tachapé, il n'a pas de volonté pour venir pour finir le travail, pour au moins pour nous avoir l'autre groupe qui est capable de travailler, pour nous capable réellement développer ce secteur ça, qui c'est base développement pays. Pas de gens qui nous parlent de développement, si nous pas de matière première ça, qui relève ciment. Et nous avons parlé avec le président Erdogan pour affaires sécurité, pour affaires équipement et matériel, accessoires, surtout et équipement non létal. Ça veut dire nous parler d'équipement de protection individuelle pour la police, qui est la meilleure façon qui gagne, des capacités pour construire des véhicules blindés de transport, de troupes. Tout ça, nous avons parlé. Et le ministre de la Défense qui était là tout le voyage, nous croit aussi. Un mémorandum d'entente entre en fait responsable industrie de l'armement turc et le ministre de la Défense haïtien sous affaire bon genre relation qui a été entre la Turquie et Haïti. Je crois que si on a l'autre point que nous pas parler de lui, non communiquer dans notre que le secrétaire d'État communication qui est pour le sortir, si il y a un point que nous ne parlons pas là, parce que je connais d'autres personnes qui ont fait d'autres bilatérales, comme le président de la Chambre commerciale, je connais qui ont fait bilatéral, tout. Eux-mêmes, ils sont capables de parler de ça. En tout cas, comment c'est que gros qui sauté dans le pays d'Haïti? Parce que personne n'a pas traité quoi que Martine tapera les ailes 4 ça pour le frapper sous table. Donc, Pita, vers 7 heures, rete connecté ensemble avec nous parce que gan pile cause au pral connaît déclaration Martine et sous assassinat, comment assassinat est fait, qui ça Jovenel te dit avant que le te mourir ça. Ça important pour connaît en tant que haïtien. Rete connecté ensemble avec nous, j'aime dis nous rendez-vous cassé, c'est pour t'aller comme ça. Moi pralé m'a quitté nan bra papa bonche parce que c'est lui même celle qui capable protéger ou ba ou la vie ak la santé. Bonjour, bonsoir tout le monde. N'a croisé dans l'autre vidéo, non pas c'est Foucault, ciao ciao, à la prochaine. M'ramasse paquet moi, cause habitant pas miser la ville. M'bralé, mais m'a quitto n'a bra papa bonji parce que c'est lui même celle qui capable protéger ou ba ou la vie ak la santé. Bonjour bonsoir tout le monde, n'a croisé dans l'autre vidéo. Au revoir.